Il y a de la poussière.
des couronnes de Noël à fondre au niveau de la buvette et quelques délicieuses crêpes de la promenade. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Rebonsoir. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus aussi nombreux cet après-midi pour assister à notre dernier concert de l'année 2023. Ceux qui ont entendu l'orchestre l'année dernière auront remarqué que notre programme a été renouvelé, comme tous les ans, dans sa totalité. Tous ces jeunes musiciens, que vous voyez, travaillent très sérieusement tous les samedis matins depuis le mois d'août pour vous présenter ce concert et donner le meilleur d'eux-mêmes. Je voudrais souligner leur abnégation et leur motivation et les remercier très sincèrement pour le travail qu'ils fournissent. Comme celui-ci de ce soir. Bravo, chers Alsaciens. Mais notre travail n'est pas terminé et nous avons encore plusieurs rendez-vous, comme notre concert à l'église de Varennes-sur-Loire le 11 février. Bien sûr, vous retrouverez toutes les dates sur notre site. Voilà, je vais quand même vous les donner. Ou encore celui en partenariat avec l'orchestre à l'école du collège Claude Debussy d'Angers. Le 16 mars au théâtre Chanzy, notre concert de gala le 7 mai à Chanzy également. Et je crois que j'en ai oublié un que Clélie nous a cité tout à l'heure, au mois d'avril à Bourges. Voilà, c'est le 7 avril, je crois. Voilà, et bien sûr, notre tournée qui se dessine cette année en Allemagne pour les vacances de printemps. Un grand merci à Grégory et Elsa qui échangent régulièrement avec nos homologues allemands pour préparer cette tournée. Merci beaucoup. Je voudrais dire aussi un immense merci et bravo à la chorale des amis et parents de l'Olda qui est dirigée par Véronique de Courcelles, que vous pouvez applaudir. Cet orchestre vive et fasse des projets formidables. Merci à notre binôme de président, Clélie Olda, sans qui rien ne serait possible. Je vais maintenant laisser la parole à deux musiciennes étrangères qui ont décidé de suivre leurs études en France cette année et de rejoindre l'Olda. Elles se reconnaîtront. Ariadna. Guardare recuerdos inolvidables de ti. Désolé pour mon accent. Et Angela, conserveros de ti ricordi indimenticabili. Ah oui.